Je suivais la chaîne de Power TV. Bon, je suivais ses prières et consorts et tout et tout. Je suis souvent aussi les témoignages là. Voilà. Bon, quelque chose me dit bon. Je me dis, ah, si moi j'avais les moyens, en tout cas, j'allais me déplacer, aller jusqu'au Bénin là pour voir. Puisque je vois des étrangers qui parlent là-bas souvent. Bon, entre temps, je vois des publications qui disent qu'ils vont venir à Ouara. Je dis, ok, bienvenue alors. Donc, je vais tout faire pour venir participer à ça. Je vois les gens qui sont venus avec des valises. Je vois déjà que la maison est occupée. Oui, je vois qu'on est en train d'installer les matériels. Je vois des gens qui ont amené des valises. Je vois qu'il y a des étrangers. Bon. En tout cas, il y a du mouvement. Oh, vraiment, je vais les remercier pour tout ce qu'ils font pour le monde, pour tous leurs bienfaits. Parce que je suis pour la maman aussi. Oh, c'est pas en tout cas, vraiment, que Dieu les bénisse encore. Que Dieu leur donne cette force de sauver le monde. Ah, moi, en tout cas, je crois en ça. Je sais que ça ne ment pas. Voilà, c'est pas des choses où on peut mentir. Et bon. Ceux qui veulent venir, moi-même je ne connaissais pas, je n'avais aucune idée du nom même. Voilà, je me suis renseigné, on m'a dit que c'est vers Pissi. Donc j'ai pris la route, arrivé à Pissi. Bon, Pissi là, même moi j'étais à Ouara, mais il y a longtemps. Je suis arrivé devant là, je me dis, je sais que c'est la route de Bobo en tout cas. Je me suis dit, bon, gare routière là, je me suis arrêté là-bas, j'ai dit, bon, si c'est entre Pissi, je sais que je suis au milieu de Pissi maintenant, je peux demander. Donc j'ai demandé. On m'a montré un véhicule qui passait, que des véhicules là par à Boissa. Donc moi j'ai pris la route. Gars, c'était, il y a une route qui est à côté là, Zongo. Donc je me suis arrêté là-bas aussi. Il y a une église là-bas, j'ai demandé. Ils m'ont dit que non, si je reprends la route, de partir tout droit, prendre le goudron là tout droit sans tourner, que je vais tourner. Après ça, je n'ai même pas demandé, je suis venu jusqu'à là. C'est que je suis venu en tout cas dans mon cœur, avoir la santé et le succès. Nous bénissons la vie de nos parents spirituels, l'apôtre Charles Passo et notre mère Blandine Passo. Nous disons merci pour cette grâce que Dieu a déposée dans leur vie, pour cette grâce spéciale que Dieu a déposée dans leur vie. Et nous rendons grâce à Dieu de nous avoir accordé aussi la grâce de les avoir comme les parents spirituels. Que Dieu les élève encore plus, que Dieu renouvelle sa grâce et sa couverture dans leur vie. Et que Dieu les donne la longévité pour que nous soyons toujours à côté d'eux pour les voir et bénéficier de leur grâce encore. Oui. Tout se prépare déjà bien. Il y a déjà de nombreuses personnes qui viennent déjà. Certains déjà ont commencé par prendre leur car, certains déjà ont commencé par prendre leur billet pour venir à la croisade, à la rencontre du Père, ce grand jour, le vendredi, le 5 au 7 juillet. Donc, ça se passe bien quand même. Déjà, les installations se font déjà. Déjà, tout se passe bien, les caravanes, tout. Voilà. Tous ceux qui sont derrière nous, nous prions, je prie à tous ceux qui sont encore à la maison, ou bien tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde entier, de préparer les billets et venir parce que ça sera un programme très très puissant. L'homme de Dieu mandaté, celui-là que Dieu a mandaté et que Dieu a établi, le général territorial. C'est une grâce, un privilège de le voir encore sur la terre de Burkina Faso, sauver les vies, restaurer les vies. Donc, si tu as un problème, si tu as une situation, ne tarde pas. Je t'invite de partout, commence par prendre ton billet. Toi qui nous suis partout, viens. C'est ta saison de délivrance et de changement. Oui, je me nomme Sanou Alidou, Wilfried, je suis venu de Diébougou. En tout cas, j'ai connu Papa Otto à travers Power TV, que je suis à la maison. En tout cas, ça m'a beaucoup plu, ses prestations. J'ai vu également les miracles que le Dieu de Papa Otto fait. En tout cas, ça, j'ai apprécié. Je suis venu en personne pour voir et me confier également à son Dieu afin qu'il puisse quand même me délivrer et qu'il m'accompagne pour la suite de ma vie. En tout cas, ce que j'attends de Papa Otto, c'est des miracles que je vois à la télé. Je veux voir ça concrètement. Voilà, voilà. Donc, c'est ma prière que, en tout cas, je souhaite également que en tout cas, la prière se passe bien. Je demande aux autres en tout cas, de venir, ceux qui ne suivent pas Power TV, de venir à Boissa, à Ouagadougou, en tout cas pour suivre en tout cas, les enseignements de Papa Otto et également les miracles. Le programme c'est du 5 au 7. Voilà.
5 au 7 juillet 2024. Je vous remercie. Vous centrerez dans la présence manifeste de Dieu et vous vivrez des interventions sans limite sous le thème « Mon temps de nouvelle gloire » avec ce serviteur de l'Éternel. C'est le prédicateur que le monde et les ténèbres redoutent. Expérimenté, dévoué et onctionné dans le ministère prophétique et le miraculeux.